parle de notre 50e, les gens sont fiers, les gens sont des fois étonnés de voir une entreprise qui passe à travers 50 années de vie d'affaires, des hauts et des bas, des récessions, des crises économiques. Et on l'a fait. Le groupe Park Avenue, c'est pas la famille Hébert, c'est pas même les 400 employés. C'est toute la grande famille. Quand on pense à 400 personnes qui travaillent dans le groupe, moi, je pense à 15, 16, 1700 personnes, conjoints, conjointes, enfants, qui tous les jours dépendent, en fait, du succès du groupe pour réaliser leur rêve, un achat de maison, un achat de voiture, aller à l'école, à l'université. C'est une grande responsabilité qu'on ne prend pas à la légère, mais qui, en même temps, nous unit. Et c'est tellement beau de voir les gens évoluer dans leur carrière, des promotions, des changements de concession. C'est mobilisant. Et notre clientèle, en quelque part, elle le ressent. Le positivisme, le professionnalisme et l'engagement de nos gens, ça se ressent chez notre client. Et ça les met en confiance. Et en fait, le résultat, c'est que notre clientèle, elle revient. Et elle devient, en fait, ce que nous, on recherche tous, c'est elle devient une clientèle pour la vie. Et la période qu'on traverse présentement est pleine d'opportunités. Et en fait, pour le groupe Park Avenue, c'est une période très fébrile, très excitante. Nous venons d'annoncer un partenariat avec un autre groupe comme le nôtre à Vancouver pour l'ouverture d'une concession BMW et Mini en 2011. En fait, c'est une première pour nous de sortir non pas juste de Montréal, mais de la province du Québec. Donc, ça me fait réfléchir et je me pose la question, bon, dans 50 ans, ça va être quoi le groupe Park Avenue? Est-ce qu'on peut être une entreprise à l'échelle même du Canada? La réponse, je ne l'ai pas. Ce que je peux vous dire, c'est que on est bien positionné, on est plein d'énergie, on a une équipe qui est en arrière de nous et qui nous pousse. En fait, je dis souvent, on est condamné à croître parce que notre équipe veut grandir avec nous. Et ça, c'est probablement la plus belle situation qu'on peut imaginer, car c'est pas juste la tête dirigeante ou l'équipe dirigeante, mais l'ensemble de l'organisation qui veut évoluer. Quel plaisir, en fait, pour nous de pouvoir vivre dans ce genre d'atmosphère-là. Et ça nous motive d'investir, de continuer à grossir et de faire rayonner le groupe à travers, en fait, pas juste Montréal, mais la province et même le pays.